Bonjour à tous, c'est Robert87000, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va essayer de regrouper plusieurs choses à l'intérieur de cette vidéo. On va tout simplement choisir ma prochaine équipe pour FUT Champion, c'est vous qui allez la choisir. Je vais vous présenter des équipes skill, comme ça on va faire d'une pierre deux coups. Et en plus c'est des équipes à 100 000 crédits, ça m'a été énormément demandé dans les commentaires. Comme ça on va faire un peu tout, je vais vous donner aussi des infos sur la TOTY. Et évidemment on va commencer juste par vous souhaiter une très bonne année et une très bonne santé 2017 à tous et toutes et à toute votre famille. Vraiment j'espère que ça se passera très bien. Et pour nous au niveau FIFA-stiquement parlant, on va dire exactement. J'espère que ça va continuer à grandir, voilà. Merci à tous en tout cas de me soutenir. Nous, on va commencer tout de suite. Donc, première chose importante, on a réussi quand même à finir hors homme pour ce week-end. Donc c'est déjà plutôt pas mal. Donc au moins, on aura, j'ai même pas fait tous les matchs, on aura au moins les deux packs à 100K que je vais garder pour la TOTY. La TOTY, c'est le 9 janvier pour ceux qui ne le savent pas. Évidemment, comme chaque année, on commencera par le gardien et les trois défenseurs pendant presque 48 heures. Ensuite, on enchaînera avec les milieux de terrain. Pareil, à peu près le même temps. Et par les attaquants. Et enfin, le dernier week-end, on finira par toute l'équipe globale pour la TOTY. Donc si vous deviez packer, contrairement à nous youtubeurs, je vous conseille d'attendre plutôt la fin, quand ça sera évidemment tous les joueurs de la TOTY présents. Au niveau de l'achat revente, ben ça sera un peu compliqué, ça sera, on ne sait pas si FUT Champion va avoir un impact ou pas comme ça a été le cas. Évidemment le marché va baisser, c'est une certitude, ne cherchez pas. La dernière fois pour le Black Friday, Cyber Monday, ça avait baissé mais beaucoup moins. Mais on avait vu que pour les Tox, ça avait beaucoup plus baissé. Pourquoi? Parce qu'il y avait de très belles cartes. Et là évidemment, ce sont les plus belles cartes du jeu, les TOTY. Il n'y a pas de meilleures cartes, les TOTY sont inférieurs aux TOTY, donc évidemment, ben ça pâte beaucoup. Nous aujourd'hui on va se consacrer à des petites équipes, c'est vous qui allez choisir les équipes. On commence tout de suite. La première équipe skill que je vous présente pour mon prochain week-end FUT Champion. Vous allez avoir le choix entre deux équipes. Vous me direz laquelle vous voulez qu'on choisisse. Donc dans les buts, Trapp à droite, Fernandez, Marquinhos et Thiago Silva évidemment. Si vous voulez faire Thiago Silva, je vous mettrai à la fin l'équipe type sans les joueurs qui étaient déjà dans mon club. Thiago Silva évidemment, moi je l'ai packé. Vous pouvez très bien prendre la carte régulière. Kurzawa c'est pareil, la carte régulière. Moi j'ai son SBC, autant s'en servir. Giuliano, Fernandinho, Ben Arfa, Mahrez, Bolasie et Moussa. Voilà l'équipe. En sachant que je pense que Moussa finira sur le banc et que je vais finir peut-être avec un petit Diego Costa. Voilà. Et peut-être qu'au milieu de terrain, bah, je mettrai un petit Fernandinho. Même si un petit Emre Can, je veux dire, à la place de Fernandinho, je sais pas. Ou un petit Payet par exemple. Ça peut être assez intéressant également si je le positionne en MOC. Voilà l'équipe. Après, je peux très bien mettre Alves à la place de Fernandez aussi. Même si le collectif sera un tout petit peu moins bon. Donc c'est une équipe, évidemment, si vous changez Thiago Silva et Kurzawa au moment où je suis en train de vous montrer, c'est une équipe qui coûte voilà entre 100 et 110 000 crédits, ça va dépendre des moments, et un tout petit peu plus cher sur PS4 au moment de la TOTY. Je pense que vous allez pouvoir les choper vraiment pas cher. Moi le but était d'avoir des équipes compétitives et en plus pas cher. Là j'ai plus que Trapp à acheter et ça sera bon. Je ne l'achète pas parce qu'évidemment il y a encore le SBC boost et donc ça va me coûter beaucoup trop cher. Dans les joueurs que j'ai apprécié énormément, évidemment il y a Ben Arfa, Bolasie, on n'en parle même pas. Évidemment je jouerai tout le week-end avec mon maillot si vous choisissez cette équipe avec ses 58 buts et ses 40 passes décisives. Oui ça me gratte. Mahrez, je viens juste de l'acheter donc lui il a pas encore de stats. Fernandinho que j'aime bien, mais peut-être pourquoi pas mettre un petit Emre Can parce que vraiment c'est très solide. Et voilà, faire jouer un peu Diego Costa que j'ai pas beaucoup utilisé pour le moment. 5 buts, 3 passes décisives. Voilà, c'est plutôt une belle équipe. On se retrouve tout de suite pour l'équipe numéro 2. Pour l'équipe skill numéro 2, on met Alves dans les buts. À droite, Bruno Pérez, Miranda et Naldo en défense centrale. C'est plutôt très solide pour les deux. Wendell, là on n'en parle même pas, c'est vraiment très bon aussi. Alan, c'est vraiment une carte que j'ai découvert à travers une draft. Hein, on l'avait fait ensemble la draft. Et depuis, franchement, je kiffe sa carte parce que je le trouve plutôt bon partout. Le seul petit hic, c'est qu'il est petit pour récupérer les ballons, mais il est pas si nul que ça de la tête, donc au final on arrive à s'en sortir. Luis Gustavo, c'est quand même la grosse sentinelle. Je sais pas si je prendrai sa carte à 83 ou sa carte à 84, même s'il y a que le physique qui augmente. Pour un milieu défensif comme ça, en tout cas milieu central, c'est important le physique pour pouvoir récupérer beaucoup de ballons. Thiago, évidemment, moi j'ai mis la carte boost, mais vous pouvez mettre la carte régulière, c'est parce que je l'ai packé, premier détenteur.
Douglas Costa, pareil, j'ai mis Douglas Costa, Ribéry et à Giuliano Béhu. Alors là, Giuliano Béhu, je ne l'ai pas encore testé. J'ai vraiment, vraiment hâte. Même si dans l'autre, il y a Bolasie, celle-là, elle me fait kiffer. Évidemment, l'équipe à 100 000 crédits n'est pas exactement celle-là. C'est Thiago avec sa carte régulière. C'est Douglas Costa avec sa carte régulière ici. Et ici, on met tout simplement notre ami Ilicinho. Et si vous voulez encore plus de joueurs de 5 de gestes techniques, tout simplement, vous remplacez notre ami Alan par Alan Zinho et Ilicinho, vous le mettez ici, et voilà, là vous avez une équipe, si vous remplacez Douglas Costa et vous remplacez Thiago par leur carte régulière, à moins de 100 000 crédits, hein, donc ouais, 100 000 crédits également, donc vraiment c'est pas très cher, et vous allez comme ça pouvoir être assez compétitif, hein, on va pas se le cacher, moi j'ai les joueurs, donc je vous le dis, hein, je jouerai comme ça, si vous avez un peu plus de budget, mais c'est la Totti, faites attention, voilà, vous pouvez également faire cette équipe avec 5 de gestes techniques, avec Thiago, Douglas Costa, Giuliano et Neymar. Évidemment, il faut avoir Douglas Costa bleu, sinon ça ne marche pas. Voilà, c'est plutôt une belle équipe, mais moi je vous dis, hein, l'équipe que je vais faire, c'est celle que je vous ai montrée juste avant, avec, voilà, mais je pense que je remplacerai peut-être Miranda par notre ami Thiago Silva. Je l'ai dans mon club, hein, autant s'en servir, parce que sinon c'est toujours un peu compliqué. Tac, avec un petit Dani Alves, par exemple, ici, ça peut être vraiment bien sympa. Hop, Douglas Costa, on peut le laisser là, et mettre Franck Ribéry ici. Voilà l'équipe, hein, ça fait quand même une très 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 belle équipe, en sachant que je n'ai besoin d'investir que sur ces deux là. Notre ami Giuliano coûte à peine 45 000 crédits, Ribéry dans les 15 000 à peu près, donc vraiment pour quasiment rien, pour 60 000 crédits investis, je vais pouvoir avoir vraiment une très grosse équipe. Donc à vous de choisir si vous voulez l'équipe 1 ou l'équipe 2, en attendant que dans votre petite tête vous choisissez. Voilà, je vais vous présenter l'équipe que dès que la Totti sera finie, je vais faire, parce que j'ai envie d'avoir du skill, j'ai envie de m'amuser. Voilà l'équipe, attention elle pique, attention elle pique. Donc dans les buts, Derrea à droite, Valencia, ça à voir, ça sera, c'est un peu mon maillon faible, donc je sais pas si je le garderai ou pas. Smalling, Thiago Silva, Kurzawa, Pogba, Kanté avec sa carte à 84, Ben Arfa, Mahrez, Ribéry et le roi. Le roi Pelé, voilà l'équipe que j'ai envie de composer. Évidemment pour le moment c'est Pelé à lui tout seul qui coûte cher, voilà, il coûte 5 millions. Donc je les ai, hein. Mais bon, après pour pouvoir acheter quand même Pogba, c'est à 600 000 etc. Mais après la Totti, je suis sûr d'avoir largement les crédits pour le faire. Surtout que je vais me relancer à fond dans l'achat-revente. Là j'en ai fait un peu moins, je dois être à peu près à 14 millions de bénéfices transferts, ce qui est plutôt pas mal. Mais je dois avoir à peu près entre 6 et 7 millions de crédits actifs. Ça suffit pas pour faire cette équipe, en tout cas pas loin. Mais voilà l'équipe que j'ai envie de me composer, skill, à mes yeux c'est la meilleure équipe skill que tu puisses faire. Évidemment Pogba, tu peux prendre sa carte à 90, et là c'est encore un petit niveau au-dessus, mais vraiment c'est une très 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 belle carte. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous ai donné un maximum d'informations. Dites-moi dans la vidéo si vous voulez que je prenne l'équipe 1 ou l'équipe 2 pour le prochain FUT Champion. J'ai pas grand chose à investir pour ces deux équipes. C'était Robert 87000, n'hésitez pas à les faire, hein, celle à 100 000 en tout cas, les plus simples, hein, voilà, les équipes comme ça, voilà, hein, parce que j'imprime, moi je suis quand même pété de thunes, voilà, ou celle-là, je crois que c'était, j'en ai même une troisième, je crois que je vous ai pas présenté, c'est celle-là, voilà, je vous la mets là, je sais pas si vous allez la voir, comme ça, avec Giuliano, avec un peu de portugais, je voulais pas montrer, voilà, il fallait avoir le choix entre les deux étaient tellement belles, j'avais pas envie de vous montrer d'ici la troisième. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Robert 87000, ça serait énorme si on pouvait dépasser les 3000 likes sur cette vidéo. Vous êtes toujours présent en ce moment, c'est juste énorme. Moi je vous fais des bisous à tous. Ciao les gars. My little world, you are both pros and cons. It's all